Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Le Bénin amorce la relecture des lois sur la décentralisation. L'Association nationale des communes du Bénin anticipe dans ce cadre. Une séance d'échange est organisée à Cotonou. On en parle dans cette édition. On parle décentralisation avec le Bénin qui se prépare pour la relecture des lois sur la décentralisation. L'Association nationale des communes du Bénin, NCB, anticipe en effet en organisant un atelier. Il s'agit de l'atelier national de préparation des inputs des communes dans le cadre de la relecture des lois sur la décentralisation. Malini Chibozo pour le point. Différents acteurs impliqués dans la décentralisation se mettent ensemble à cet atelier de préparation des inputs des communes dans le cadre de la relecture des lois sur la décentralisation. Il est organisé par l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, avec l'appui technique et financier de l'Agence belge de développement, ENABEL. Après plus de 15 années d'expérimentation des textes de loi sur la décentralisation, vous avez, à juste titre, jugé utile de marquer un arrêt pour analyser le parcours. Une analyse vous permettant de faire des propositions pour adapter ce texte de loi aux réalités de vos communes. Beaucoup de dispositions des textes de loi sur la décentralisation constituent des freins, voire des obstacles pour l'épanouissement du processus de décentralisation. Il est donc urgent de revoir ces dispositions pour accompagner la volonté et l'engagement des différents acteurs d'un bon support légal et réglementaire. Les participants dans leur discussion auront à toucher quatre secteurs: la santé, l'éducation, l'agriculture et l'énergie. Ces 48 heures d'échange vont également permettre de valider les données collectées et les recommandations issues des deux derniers ateliers régionaux. Au nombre des améliorations souhaitées, figure en bonne place la révision des textes de loi sur la décentralisation. En conséquence, je voudrais vous inviter à travailler d'arrache-pied pour sortir des propositions de qualité. Les présents travaux vont accoucher d'un document de plaidoyer relatif à l'intégration des acquis des communes dans la relecture des textes de loi sur la décentralisation au Bénin.